Bon, on est à Bouctouche. Salut Coco! Ah, c'est Irving comme le garage en plus. Je croyais 5 ans de coïncidence. Une espèce de garage errant. On va y aller du côté français. Éco-centre Irving, centre écologique consacré à la restauration, la conservation et à l'interprétation de la dune de Bouctouche. Dédié à la population nouvelle qu'elle puisse découvrir et apprécier cet écosystème jusqu'à 97. Irving. Autrement dit, Irving a pollué les plages pendant des années pour se faire pardonner. Ils ont décidé de faire un éco-centre. Comme vous pouvez voir sur la carte, l'éco-centre et la dune qui est assez grand, merci. Vous pensez un peu à Carleton, l'espèce de bras qu'il y a? Oui. Excusez-moi pour prendre mes lunettes. Et voilà. Pour nos amis sur YouTube. L'information. C'est pas évident, rien qu'une main. Ben. Les jumelles. Naturellement. Désolé. Bah, on peut zoomer. Oh, il y a même une odeur. Ok, ça pouvait être sûrement. Mais les gens peuvent aller sur le sable. Je sais pas par ce qu'ils passent. Ils passent par ici, le gars. Il y a une descente là. Puis il y a d'avoir des escaliers là-bas. Il y a une descente là-bas. Il y a des escaliers là, ce qui est gros parasol. Bon, il y a trop de goémons et de merde. J'aurais voulu me mettre les pieds à l'eau. Avec quoi toi t'es essuyé après les pieds? Rien. Ça serait ton... T'es en charentaise, comme ils disent sur Facebook. Je peux les enlever de l'île. C'est quoi le but d'avoir un parasol en dessous? Ben, c'est l'idée qui veulent pas recevoir la merde tous les pieds. Ah, c'est vrai, c'est raison. C'est une idée, hein? Les cochonneries qui passent en dessous des panneaux. Je sais pas si la mer montre vraiment ce que c'est. Oui. Je sais pas. Hein? Oui, il y a plein de morceaux de bois pour aider. Plage non surveillée.